Alors, on se retrouve sur la chaîne pour la suite de Hera Exordium, donc chapitre numéro 2. On doit toujours donc rechercher le fameux Dr Bell, donc on va continuer l'aventure. C'est quoi ça? Alors. Venez à la cave, vallée des cèdres, les vins les plus exquis pour tous les goûts et prix. Les raisins de notre vin sont sélectionnés à la main sans utilisation de mécatron, car nous respectons les traditions. Wow. Ah. Fermé de l'intérieur. D'accord. Je vais aller où, là, du coup? Fermé de l'intérieur, je comprends pas. Ok. Oula, déjà la vidéo commence bien déjà. Alors, putain, je dois faire quoi? Je comprends pas. Ah, putain, d'accord, ok, tout simplement. Bon, par contre, si je pourrais trouver de la vie, ça m'arrange. Alors, chef, comment allez-vous? Nous avons un problème avec des mécatrons dans le vignoble oriental. Après le dernier ravitaillement, il semble être devenu fou. Il court piétine tout autour. Yura s'est presque fait arracher le bras quand il a essayé d'en éteindre un. Envoyez l'équipe de réparation cordialement. Zoulard. Alors, soit je peux descendre, soit je peux monter. Il n'y a pas de poignée. Donc, je pense que déjà, il faut passer par là. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il nous croit? La fenêtre de la zone commerciale a été barricadée. Pas par hasard, il y en a de sacrément mauvais, les militaires les y ont conduits et ont fermé toutes les issues, ne pas toucher, ne grimpez pas car c'est mortel. Ah, d'accord, donc là il y a la poignée de la trappe. Ok. D'accord, donc là on peut sortir par là. Alors avant ça, sachant que je pourrais pas revenir après, on va passer peut-être par là déjà. Quel est l'intérêt d'ouvrir ça? Je comprends pas. Munitions. Ah, de la vie. Ouais, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et pourquoi je peux vider les réservoirs? Je comprends pas. Je peux vider les trucs là. Les détails du mécanisme sont manquants. Ouf, putain, je fais comme c'est con. Si un mec sort là, je suis mort. Non, pour l'instant, on est bon.
Il faudrait un truc pour récupérer de la vie en entier, quoi. Alors, ça, ok. Alors là, je pense qu'il faut remonter comme ça. Là, je pense qu'il faut mettre la balle ici. Ben, j'ai pas trop envie de prendre de risques pour l'instant, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Carte clé de l'ascenseur. Ok. Oh, ben là, laissez tranquille, c'est bon. Alors, la carte clé de l'ascenseur. Alors, si vous remarquez que l'un des visiteurs est malade, offrez poliment un mouchoir et des lieux séparés de la masse générale des gens. Eh merde! Alors, nous vous invitons au bain sur la place Torgova, de loisirs amusants et une bonne compagnie, des performances de musiciens et d'acteurs, de la nourriture fraîche et le vin le plus fort, et en fait un magnifique bain public, un repos digne de Ananuki et des Igigi. Montrez cette invitation dans un resto, commandez deux bouteilles d'alcool et recevez un troisième en cadeau. C'est pas beau ça? Bah. Que de générosité. Nous devons sortir d'ici bientôt. Qu'est-ce qu'on a là? Cher Kinan, malheureusement, la représentation demain de l'ensemble devra être annulée. À cause de cette nouvelle maladie, tout le monde doit faire attention maintenant. Nous ne pouvons risquer la santé des visiteurs et des artistes. Je vais essayer de vous dédommager d'une façon ou d'une autre pour le temps et l'argent consacré à la préparation. Mais quand tout s'apaisera, nous nous rattraperons, je vous le promets. Ah, ben voilà! Enfin! Ouais, pas trop intérêt à tomber, quoi. Donc là, du coup, pour l'instant, je peux pas y aller. Mais j'ai paré. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Là, je pense qu'il va me falloir un fusible. Donc le fusible est là. Là, les munitions. Alors, le fusible, comme ça. Donc là, tu fais ça. Là, tu fais ça. Et merde! La carte du gérant. Ok? C'est quoi la carte du gérant? Attends, c'est un truc, je pense qu'il faut redescendre ça, non?
un truc qui doit sûrement servir pour là-bas, non? La carte du gérant, elle sert à quoi? Ouais, donc là on allume une lumière, en soi on s'en fout un peu. Il y a un truc par là que j'aurais pas vu. Ah là là. Alors, putain, ça a sauvegardé. Je sais pas pourquoi, mais... Quoi, c'est quoi ça? Ah, putain. C'est quoi ces ennemis de merde, là? Putain. Je l'aime pas lui, hein. Ben, moi je trouve ça déjà la bouche. Voilà. La grenade, ça lui a pas plu des masses. Alors, lâche pas de vie surtout, hein, salaud. Ah, ben voilà! D'accord. Il y a plein de passages, de trucs et tout. C'est bien ça quand même, je trouve. Ah, cool. Donc, nouvelle grenade. Pas mal. C'est quoi ça? Mais après à tirer quoi. Bah. Mais qu'est-ce que c'est cette merde de truc là? Putain. C'est chiant pour tirer dans ce jeu. Oh là là. Putain, déjà moi je trouve ça. Allez, toi c'est bon. Est-ce que si je glisse, il me repère ou pas? Il me repère. Oh là là, putain! C'est dingue de pas savoir viser comme ça! Ouais, mais qu'est-ce que je veux faire là aussi? Je comprends pas!
te fais ouvrir, mec. Tu es là, tu tires, t'as 3 balles pour viser, arrête un peu aussi. Mets plus de munitions, merde, avant de recharger. Ah ben voilà! Allez, dégage. C'est bon, m'a gonflé. Hein. Je me suis pas soigné, donc ça c'est cool. On charge. Ah ben voilà! En plus j'ai 2 fioles de soins. Ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh merde! Ah, ça va! Je supporte pas les mecs quand ils te tirent dessus, c'est insupportable! Oh putain, j'en peux plus, j'étais content, j'avais bien réussi. Faut toujours pas, ça con. Allez! Il ah, faut... y a pas un truc pour régler la vitesse de... Alors regarde-moi cette vitesse de tir. On en parle de cette vitesse de tir? Allez, ça dégage. On va gonfler là. Alors, je crois que... Allez, sur la gueule! Ah, qu'est-ce qu'il lâche, lui, là-bas? Munitions, ok. Il peut pas y avoir des améliorations, un peu des armes? Des merdes comme ça, là? Alors, qu'est-ce que c'est, ça, encore? Donc, ça, c'est que dalle. Thank you.
On peut faire un peu de cuisine, hein. C'est pas mal, ça. Fermé de l'intérieur. D'accord. Donc là, on est bon. Oh, putain de merde. Et pour un coup, j'ai galéré. Il est impossible d'imaginer quel genre d'idiot ont pensé à faire une cuisine dans cette maudite tour, probablement à la Milan. Ils promettent de payer assez bien, mais on voit les conditions. Il y a aussi le centre de tri pour certaines cargaisons au-dessus de la tête. Tout gronde, les murs tremblent, beaucoup de mécatrons sales et sanglants claquent leurs sabots sans arrêt. Quelque chose est porté, mené, transfert. Il est impossible de travailler. Or, Dagon ne me laisse pas mourir ici quand cette ruine s'effondrera. Il convient de commander des pommes de terre fraîches. Il semble qu'avant que je vienne ici, le cuisiner pour les cochons, pas pour les riches. D'accord. C'est un message du commandant de la 6e force d'application à la loi Telmoon. Ils ont vu des lumières et des mouvements dans la tour la nuit. Si vous lisez ceci, veuillez envoyer la capsule de retour, informer de votre position, du nombre et de l'état des survivants. Nous aiderons, nous recommandons de fermer toutes les portes, d'arrêter tous les mécanismes, veuillez assurer de bloquer les lignes de frais dans la tour, nous attendons votre réponse, attendez. Ok. Oh punaise! Et supporte pas là quand ils sortent comme ça de du vide là. Ah, attends, il doit y avoir un truc là. Allez, dans la gueule. Munitions. Qu'est-ce que c'est ça? Levier de mécanisme. Ah, ça soit gardé déjà. C'est une bonne chose. Oh putain, d'accord, ok. Oh, il rigole pas, lui. Hein. Ok, il est pas venu pour me filer de perles. Hein. Bon, ça va, déjà, ils m'ont remis un peu de vie, donc c'est pas mal. Bon, ça, parfait. Ça, ça me plaît. D'accord, ok. Donc là, on a ouvert ça, on a récupéré une vie. Donc là, c'était là-haut, là. Voilà, donc là, on est passé ici. Là, tu faisais ça. Là, ça, je sais pas ce que c'est, ça. Ah, voilà, d'accord, ok. Tac. Ok, d'accord. Donc là, tu récupères ça. Ah là, ça y est, je comprends. En réalité, ça, tu récupères ça. Tu sortes comme ça. Grenade, le message. Cela fait une semaine que nous sommes piégés dans la tour. Nous sommes 5. 3 gars sont morts. Une des blessures, le pauvre gars a été coupé par des fragments d'un missile d'une tourelle dans la cour alors qu'il courait vers nous. Il a couru, mais il est mort 2 jours plus tard, probablement d'une infection. Nous sommes médecins. Donc, 2 morts
deux sont morts à cause de maladies d'Azaga. Plus tard, ils ont décidé de jeter les corps dans la cour, que les dieux nous pardonnent. Les morts peuvent être contagieux et leur odeur semble ne pas s'être encore dissipée. Bah, tu m'étonnes, sûr que s'ils commencent à pourrir, t'as bien fait de t'en débarrasser. Hein. Les mécatrons sauvages rugissent juste autour de la tour. Tous les jours, j'observe leur comportement d'en haut. Quand il n'y a personne autour, ils se tiennent le plus souvent comme s'ils étaient enterrés comme en transe. Parfois, je vois comment ils se transportent des pièces de rechange et toutes sortes de déchets quelque part. Et parfois, ils traînent même des corps. Ils se comportent comme des fourmis, des insectes. Comment ces canettes ont pris vie, ce ne sont que des machines. Ben, c'est tout ce qu'on essaie de découvrir au fur et à mesure. Hein. Mais c'est trop, ah, faut arrêter. Trop fluide le moment. Ah, fusible, ok. D'accord, donc là déjà il y a ça qui remonte. Ah d'accord, ok, donc là je peux passer là. D'accord, ok, donc ça va monter comme ça. Ça va me permettre. Ah merde! Pas sauter. J'ai pas envie de me soigner. Je me dis, on sait jamais que si juste après il y a un truc complet là pour soigner, ça m'intéressera plus. Mais. D'accord, donc là il faut continuer à monter. Ben voilà, déjà quelque chose de bien. Alors, tac, tac. Tain, c'est la tour de Babel, le bordel. Nous avons assez d'aliments, mais nous manquons d'eau potable. Il y a 3 jours, il est devenu impossible de boire coulant du robinet. Même l'ébullition n'aide. Et des fois, les traductions, quoi. Il y a de moins en moins d'explosions dans la ville, pas comme au début. J'espère que les militaires tueront ces hommes de fer et que nous serons en sécurité. Je suis triste de n'avoir personne à qui écrire des lettres. Les gars écrivent en permanence, envoyant des capsules par avion, mais ils n'ont pas eu de réponse. Je pense que les gens ont été évacués, mais 3 petits points. Tout cela n'est qu'une sorte de folie. Je n'arrive toujours pas à croire que cela arrive. J'espère que je me réveillerai à la maison et que j'oublierai ce rêve stupide. Je veux avoir quelqu'un à écrire des lettres. C'est bizarre, c'est qu'on croise personne quoi, dans la ville, tu as vu? Pas même qui vive. Bon, on va le laisser là, tranquillement, lui, il a l'air bien. Oh, saute, non? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, j'ai vu un Indu... Quoi? Un Nemdugud, un trop grand dragon d'acier que les militaires affichaient autrefois. Le protecteur, il disait, il s'est aussi opposé au peuple. Il veut tous nous brûler, brûler la ville avec votre feu du ciel. Il ne faut s'avancer, il faut rester à couvert. C'est uniquement sûr ici, les putains de canettes sont déjà dans la tour. On les a leurrés, on les a enfermés, on les a lâchés, on les a leurrés vivants. Les dieux me protègent comme nous voulons de boire. C'est ça là le truc de fer là? Ça a l'air énorme ce truc. Ah, il doit y avoir... Ah putain d'accord, ok. Ah merde! Ah mais ça va, je m'en fais exprès là! Ah ça va. Donc il y a un truc avec les mécanismes à jouer là. Tout en sautant bien entendu. Non, celui-là, je pense qu'il faut l'allumer. Celui-là, on est bon. Celui-là.
Oula! Ah! Laissez-moi tranquille, merde! Ah, je peux pas le pousser, je peux pas le tirer jusqu'au bout. Oh putain de merde! Mais non, je suis pas mort! Merde! J'en ai marre! J'en ai fait le cul de mourir. Bon, merci. Mais je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas eu la passerelle là qui est sortie? Hein? Ah putain, d'accord, ok, j'ai oublié, il faut tirer dessus là. D'accord, j'ai oublié ça. Impulsion magnétique, c'est quoi l'impulsion magnétique? Quoi? C'est quoi l'impulsion magnétique? Pourquoi il y en a une qui parle dans les airs? Mais t'es un truc. Ah putain de merde. Putain, mais expliquez au moins ce que c'est les trucs. Qu'on sache un peu quoi. Qu'est-ce que c'est encore cette zone de merde? À la demande du Conseil des prêtres, tous les événements publics doivent être arrêtés immédiatement. Nous vous recommandons fortement de fermer temporairement l'installation, désactiver tous les mécatrons. Soyez prêts pour les inspections dans un proche avenir. Putain, quand les portes elles s'ouvrent, j'angoisse. Hein. Et là, c'est ça le problème, si j'ai plus de place pour les grenades. Je m'en sers pas des grenades. Problème ça. Oh, c'est quoi ça? Ce malheureux s'est senti mal, Belle. Dès que je l'ai vu, je suis sorti pour le prévenir, mais quand je suis revenu, il était déjà mort. Décris les symptômes, qu'as-tu vu? Il a perdu connaissance et même avant cela, sa pâleur m'a tout de suite frappé. Mais voici ce qui est étrange, lorsque j'ai essayé de le soulever, son corps était couvert de slime. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Cela fait longtemps que nous nous connaissons, voici mon conseil, mon ami, quitte Tempum pour un certain temps, mène ta famille, repose-toi quelque part. Que s'est-il passé? Au cours des 3 derniers jours, plusieurs dizaines de patients présentant des symptômes similaires ont été admis dans notre hôpital. Aucun d'entre eux n'a survécu. Que prévois-tu de faire? Ma place est auprès des patients à l'hôpital. J'espère que nous y rencontrerons pas. Bon, déjà, au moins, il nous a mis en garde, tu vois. Ça, c'est pas mal, ça. C'est que ça a l'air d'être quelqu'un de bien, là, pour l'instant, ce docteur Bell. Enfin, du moins, pour l'instant, j'en sais pas plus. Sur qui est responsable de tout ça, mais donc là je pense qu'il faut tomber comme ça. Viens là, toi, approche. Moi, dès que je vois des capsules bleues, je suis plus heureux des hommes. Ah, il m'en faut pas beaucoup dans ce jeu. Ah, la canne à ta race.
Par contre, il n'y a jamais de vide. Hein. Alors, quelque chose ne va pas avec moi aujourd'hui. Je prends le reste de la semaine, je vais voir le médecin, puis on verra après. Alors que je me souviens de cet incident dans les bains publics jusqu'à ce que le sang atteigne mes veines, même s'il n'y a rien qu'à passer ce pauvre type, j'espère être de retour bientôt. Munitions. Allez, encore une zone de merde. J'en ai marre des zones de merde. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Putain, j'ai plus qu'une grenade. Ah putain, si j'avais su, tu vois, ça le problème, c'est que comme tu vois pas ce qui t'attend après, ben, automatiquement, des fois, tu vas utiliser les potions, alors que là, par exemple, j'aurais pu la garder. Ah merde. Ah, pur jeu. Je peux pas me baisser? Ah si, oui. Putain, j'arrivais pas, j'étais bloqué, je me disais putain comment on fait? J'ai eu un bug. Quoi? On peut se baisser? Ok, qu'est-ce qu'on a de beau là? J'ai eu un trophée, je sais pas pourquoi, Mécatron Slayer. Je sais pas, peut-être fait quelque chose qui... Je sais pas, à part tirer sur des robots de loin avec mon flingue, mais... C'est pas la première fois non plus. Ah ouais, putain, d'accord. On remet à temps le dernier moment avec eux. C'est pour ça que des fois, genre, les ennemis se ressemblent assez souvent. Donc du coup, des fois, genre, T'as les robots un peu comme ça, genre avec les bras là qui t'attaquent, ils explosent pas. Faut vraiment, genre tu les pars et tu les attaques ou quoi. En plus de ça, genre au bout d'un moment ils explosent. Ben du coup, genre ils t'envoient des dégâts parce que ben ils explosent sur ta gueule. Et t'as les robots comme ça, en gros, genre juste ils te courent après. Et tu restes à côté d'eux et genre tu attends vraiment, genre un petit peu le temps que ça fasse avec les échos là, on va dire un peu autour. Et à ce moment-là, clac, tu slides. Qu'est-ce qu'on a là? Ah putain, d'accord, ok, je compris ce qu'a conservé ça là. D'accord, ok, les munitions sont pleines, c'est la première fois que je vois ça. Non, ça explose pas ça. Mais par contre, j'ai plus de vie, j'ai plus rien là. Hein. Ok. Ah! Oh putain! 5 balles, quoi!
Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague, je me suis trompé de touche. Oh merde. Putain, j'avais trouvé une arme avec 5 balles. Mon rêve. Oh là là, mon rêve. Ce que j'attends depuis le début du jeu. Miracle. Ah, ça change la vie, mec. Hein. Je dis... Oh putain d'enculé. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, cette ambiance de merde? Le courant est requis. Ah putain, d'accord, je peux pas passer. Comment on remet le courant là? Je comprends pas. Comment on remet le courant? Ah, d'accord, ok. D'accord, donc le courant, tu dois le remettre là, je pense. Il faut un fusible ou une connerie comme ça. Là, il y a un truc. Munitions. Putain, mais je sais pas, c'est à droite, à gauche? Attends, on va peut-être déjà passer juste par là. Ça soit de pas s'ouvrir, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Putain. Plus, ah, je supporte pas, genre, me fait prendre un sandwich là, ça me gonfle. Hein. Et encore comme c'est. Ah putain! Je les avais oubliés, bâtard.
Tiens, genre ça régénère pas des masses quand même, hein. Vas-y, meurs. Pourriture. Allez, tu me fais. Alors, prends ton temps. J'ai pas envie de me faire trucider la gueule pour cette merde. Voilà. Ça, on est bon. Cela convient, on sait. Allez, 2 heures. Allez. Jamais tranquille. Jamais. Tous les produits alimentaires provenant des entrepôts de la zone commerciale doivent être transportés vers le sud-ouest, vers les entrepôts de l'armée de protection de Telmoun dès que possible. Il vaut mieux de transporter la nuit pour ne pas attirer l'attention inutilement. Sur place, tout est notifié. Veuillez envoyer aussi 4 sacs de sucre, 30 sacs de farine, 20 sacs de lentilles et 6 grands baquets de charcuterie à la garnison de la forteresse de Kurdug. Le commandant est au courant, vous avez 2 jours pour faire face. Ça va, tranquille. Oh, c'était beau comme morse. Franchement, c'était beau. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Donc, pour cet épisode, voilà, on a quand même pas mal avancé et tout. On a amélioré déjà notre flingue. Miracle. Ça, franchement, je suis content parce que, franchement, le flingue là, avec 3 balles et tout, tu recharges toutes les 2 secondes. Ah, c'est bon. Déjà que le personnage, il est lent, mais lent. Comparé à certains ennemis, genre qui te canardent, qui eux, rechargent jamais, puisqu'ils ont balles illimitées, alors que toi, tu es là. Allez, je prends mon temps, je sors mon barilé, je mets mes petites balles à l'intérieur, tu vois. Déjà, des flingues à 3 balles, j'en ai jamais vu. Donc, franchement, genre une purge. Donc là, maintenant qu'on en a 5, j'ai l'impression qu'en plus de ça, il fait quand même un peu plus de dégâts, il a l'air déjà un peu plus nerveux. Par contre, c'est vrai que le système de visée, il est vraiment sensible. Donc, c'est assez chiant. Mais bon, en tout cas, ça va. Pour l'instant, on continue d'avancer. C'est le principal. Oh, bah, j'ai toujours pas mis la main là, sur le docteur Bell. Là. Enfin, on est toujours à sa recherche. Après, ce que je trouve un peu dommage, bah, pareil, un peu pour l'instant, c'est que ça manque un peu, par exemple, je sais pas, genre, de PNJ, un peu d'interaction avec d'autres personnages. Quoi. Alors, c'est bien le petit message que tu as à droite, à gauche. Ça rajoute un peu plus d'ambiance et d'atmosphère, on va dire, au jeu, en essayant de dire, voilà, ben là, on a été enfermé à cet endroit-là, et on entend les clapotis, les tintements, par exemple, des robots à l'extérieur, tu vois, voilà, où on les a enfermés dans tel ou tel endroit. C'est pas mal, ça, en soi, tu vois, genre, ça rajoute un peu au côté angoisse qu'ont subi les gens, et peur et tout ça, tu vois, genre, de vivre dans ce cauchemar, quoi. Mais c'est vrai en tout cas que je sais pas, genre, je trouve que pour l'instant ça manque un peu de vraie interaction sociale, tu vois, genre de personnages, de trucs, tu vois, je sais pas, genre de gens qui vont essayer peut-être de t'aider, tu vois, genre par exemple de marchands ou de trucs comme ça, tu vois, je sais pas, ça aurait été peut-être positif, voilà, parce que bon, il y a peut-être des gens, bon ben du coup ils se sont réfugiés à droite à gauche, mais peut-être qu'il y en a qui ont eu peur de sortir et qui sont restés cloîtrés, on va dire,
dans certains endroits, ne pas faire de bruit, tu vois, et toi, tu arriverais, par exemple, des fois à mettre la main dessus, et par exemple, ils auraient des choses à te donner, des choses à te fourguer, tu vois, je sais pas, moi, des trucs intéressants, quoi, et ça permettrait, on va dire, de dynamiser peut-être un peu plus le côté angoisse du jeu, histoire et interaction, voilà. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là, comme je disais. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao, ciao!